et bas petit pied, décalage bas MK. Osun a voulu probablement bourrer une chope et il s'est pris le bas MK. Ben voilà, comme la semaine dernière, ça se joue au dernier match. Sauf que Et cette ça, c'est beau. fois-ci, Walmart a pris Chun-Li. Sûrement en prévision de ce match-ci. Walmart versus Fort Europa. Blackman, prépare ta CB. T'es lancé. Yes, parfait. La semaine dernière, il y avait Honda. Il a perdu 2-0. Ah ouais, c'était un beau match de Fort Europa. Hein, parce que c'est pas, faut aller les chercher, les Honda. Hein. Je suis curieux de voir comment ils gèrent Chun-Li par Fort Europa. Je vais changer ça, Marcadé. Allez, c'est parti pour le tout dernier match de ce défi. La Ah, chope. bien joué. La chope en entière. En théorie, c'est un bon match-up pour Chun-Li, mais il y a pas mal de joueurs de Chun-Li qui aiment pas trop trop affronter les gros dictateurs. C'est un perso qui peut vite poser problème. Oh, mais là, il est en Cette train de pression faire de fort au la repas. danse du serpent là. Et là, maintenant, Dicta il est en avance à énergie. Du coup, bah, Chun-Li est obligé d'aller chercher. Et c'est pas si facile que ça quand il a super. Oh oui, bien joué, Olmar. Ouh, dommage. Bien joué. D'accord. 2M avant MP, ça tue. Premier round pris pour Olmar. Il a encaissé la boule Fort Europa, peut-être parce qu'il a voulu choper dedans en fait, il pensait qu'il était assez près. Et c'est dommage hein, parce que là il a misé un peu tout son round sur ça, alors qu'il avait très bien joué juste avant. Parce que je C'est lui t'aime, coûte tu vas cher. bien te faire foutre. Merci Daim. Blackman, je plaisante. Hein. Merci pour tout. Merci Douteux. Allez, le head press. Allez, bonne garde de Walmart là-dessus. Et il se fait pas avoir par les. Les carottes anti-kikoken derrière au HK. Ouh, c'était pas safe ça. Ouais, ça sentait la carotte super surtout. Au cas où Walmart réagisse lentement. Mais Walmart, c'est bien connu, il réagit vite. Et là pour l'instant, il se prend les phases Le infinies et stun, premier match pris. Salut Zaggy. Walmart qui se mettait bien à des distances inchoppables en fait pour Dictator. Il le faisait toucher du bout du moyen point et après décalage balayette. Faut faire attention parce que la balayette de Chun-Li, des fois, elle a tendance à bien whiffé sur Dictator en fait quand il est baissé en fait à certaines distances sa Earthbox basse en fait elle fait whiffer les balayettes et du coup c'est dangereux pour Chun-Li en fait. Faut être sûr de soi en fait quand on lance des balayettes quand on dicta parce que sinon c'est un coup à prendre des glissades en punition. Mais pour l'instant ça se passe bien pour Walmart, enfin il en retarde l'énergie mais là il avait failli gagner l'avantage positionnel dans le coin. Là il change sa barre, super. Bien joué, le air to air gagné par le head press. Et là, le nouveau head press qui passe, c'est une plaie hein, pour Chun-Li, le head press et le Devil Reverse. Oh oui! Ah, super! Il se fait reverse shot, bien joué. C'est Fort Europa qui a gagné la semaine dernière. Sa team. Allez, bonne garde de Walmart. Le petit Tencho dans le BMK. Il voilà, Walmart est passé en mode Chun-Li du live full MP. Chun-Li douteux, ça on appelle. C'est ça la technique de Strasbourg. Et là, donc la méthode strasbourgeoise fonctionne. Ça fonctionne. Et c'est la balle de match pour Walmart. Peut-être l'occasion de se venger de la semaine dernière, effectivement. Et balle de match. Ouais, bien joué. Fort Europa qui se fait pas avoir par les balayettes de Chun-Li en carottage de déchoppe. En carotte de déchoppe, pardon. Allez, oh. Ah, dommage, la garde n'était pas là. Pourtant, on sentait qu'il allait faire ça. Et il a loupé ah, son il combo. Rate le combo. Ah, oh, ça va lui coûter cher, ça. Pour l'instant, Fort Europa, il est quand même bien parti pour gagner ce match. Le head press, il lui suffira de. Un head press en hit ou deux en garde. Oh et... oui! Un partout! La super qui fait en tir. Un partout entre les deux joueurs. Là, Walmart qui a tenté un peu des bizarreries pour revenir. De toute façon, c'était quasi impossible dans cette situation face à un Dicta qui a sa super. Un partout, effectivement. Dernier match ici de ce défi. Ouais, on sera allé jusqu'au bout du suspense. Ah ouais, bien joué. Fort Europa il apprend très vite, hein. Il s'est pris une fois, pas deux. Hein. Ouais, normalement avec Chun-Li c'est dur d'en tirer les Devil Reverse au Tencho. En fait, t'as des chances qu'ils sortent pas dans le bon sens. Ah, ce pif, malheureusement, voilà. Et la double balle de Europa match pour Fort Europa. Il met des coups de botte à l'infini dans le coin. Effectivement, c'est la double balle de match. Yes.
ça, de mettre un coup de pied. Il a vu que la Chun-Li avait sa charge en fait, donc du coup son Devil Reverse il l'a éloigné de Chun-Li pour pas se faire en tir. Enfin, Toropa qui joue intelligemment. Et il chope. La chope qui passe. Bas moyen point qui empêche le décalage. Par contre là, petit retard à l'énergie pour Walmart, ça va commencer à devenir très dangereux. Ouais, un peu tardif la punition. Il a jugé le whiff. Oh, ah, dernier round. Ouais. Phase très confuse. Un tout petit peu chanceuse de la part de Walmart avec un whiff à bout portant de HK qui a tellement surpris tout le monde qu'il ne s'est rien passé derrière. Allez, 1000 pieds d'entrée pour casser un HK. Allez, Walmart, il la veut sa victoire, il la veut sa vengeance. Bien joué, c'est un des meilleurs joueurs dictateurs européens. Allez, le R2R gagné par Phantom Pa. Chopé. Pas MK derrière, le HK qui passe. Et là, Phantom Pa qui est bien. Bonne garde de Walmart. La super qui est bien mindée mais qui est mal punie. Là, Walmart, faut qu'il fasse gaffe au head press. Ouais, le HK vient pas me choper. Là, c'est quasiment fini. Et c'est le fini. HK dans le start-up de la boule. Victoire de Fantoropa pour la deuxième semaine consécutive. Magnifique. Et Walmart. Il y avait quand même un match. Il meurt. Marcade qui avait gagné un deuxième match. Fantoropa! Congratulations, Fantoropa. Bravo à tous. C'était bien stylé. Hein. Pour la deuxième semaine consécutive, gagne ce défi. GG Walmart, GG à tous. 5 Sargates. Bah oui. Un grand merci. Koiko, my friend. Pamako, merci d'avoir participé. Fantoropa, my friend, you are a monster. Next time, I want to be in your team. Please pick me next time first. Morning Juju, Naïm, tout le monde, everyone. NASCAR, bienvenue et merci. Bah voilà. Final, c'était cool. Fantoropa, il a bien joué.